Et salut tout le monde, Soximozo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon serveur Minecraft. Aujourd'hui les amis, on va casser des constructions. On est méchants aujourd'hui les amis. Alors comme d'habitude, bah pensez à lâcher un max de likes. Une vue est égale à un like. Voilà, ça me ferait super plaisir et c'est aussi pour soutenir le serveur et la chaîne YouTube. Voilà, donc aujourd'hui on va supprimer des parcelles des abonnés. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus. Il y a des gens, je me fais éclater dans les commentaires à chaque fois parce que oui, Oximoz, il supprime des constructions d'abonnés comme ça et tout. Non les amis, je supprime la plupart du temps des plots vides ou des constructions qui peuvent être cassées en fait, parce que c'est des trucs soit qui peuvent être construits vite ou soit vous allez voir dans cette vidéo que c'est des constructions qui riment à rien, qui peuvent être construites super facilement. Donc voilà, ne vous acharnez pas en commentaire sur oh Oximoz il casse des constructions, ça se fait pas, j'irai jamais sur son serveur et tout. Non, ça sert à rien, arrêtez, je vais jamais casser genre ça je vais jamais le casser, vous voyez, même que ça soit marqué en construction ou pas, je casserai jamais, même ça je casserai jamais, je casserai que des plots comme ça. Parce que regardez, alors je vais vous montrer un truc, c'est que si on fait slash plot l'histoire, on a 3420 plots, 3420 plots sur tout le serveur en entier, donc ça fait beaucoup de carrés. Donc un plot c'est ça fait cette taille là, on en a 3420, et sur les 3420 on en a quand même pas mal qui sont pas pris, genre celui là enfin le mec a juste fait ça. Autant supprimer le plot, comme ça il servira à quelqu'un d'autre. Et au pire, si le mec reveut, c'est ByRedBerryZ, s'il reveut un plot, bah il s'en recréera un autre parce que j'aurais supprimé celui-là. Mais voilà, pour l'instant, comme il s'en sert pas, bah ça fait de la place qui pourrait être prise pour des gens qui pourraient se servir des plots. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, donc du coup, on fait slash plot reset. Voilà, on fait slash plot reset. Et je sais pas combien on va en reset comme ça pendant la vidéo, mais on va en reset quand même pas mal. Alors je sais pas pourquoi ça met un peu de temps, ça met pourquoi ça met un peu de temps comme ça. Asset block timer nanana, d'accord, je sais pas pourquoi ça met autant de temps comme ça, enfin bref. Ah si, ok, c'est bon, ça a mis 12 secondes. Bon, d'habitude ça met pas autant de secondes. Je vais essayer de voir pour, ok, je vais juste redémarrer le serre parce que le TPS a l'air d'être assez bas, donc ça doit être ça, donc je reviens tout de suite. Re tout le monde, donc c'est bon, j'ai redémarré le serve. Normalement ça devrait mettre beaucoup moins de temps à supprimer, donc on va refaire un plot reset parce que j'ai l'impression que ça a pas marché. On fait slash plot list world déjà avant, on est à 3420. Si on fait slash plot reset, ça se supprime, ah bah ça se supprime pas ici, on va voir ce que ça donne ici. Slash plot reset, ça ne se supprime pas ici, génial. Ça marche vraiment bien ça. Et on supprime ce plot, voilà, parce qu'il y avait rien dessus et ça a pris, non, ok. Si je fais slash plot histoire, ok, donc c'est bon, il devait y avoir deux petits bugs et tout. Donc voilà, je vais parcourir le serve pendant cette vidéo et je vais casser les constructions qui sont comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Bienvenue sur ma map Jump Troll. D'accord, ouais, écoute, c'est vraiment, bon, ça on peut supprimer, genre, par exemple, si un mec il pète un câble parce que je vais supprimer ça, bah je reconstruirai, hein, je m'en fous, c'est deux blocs de bois, donc ça on peut lui supprimer, ça servira à quelqu'un d'autre. Ça, je pense que, je sais pas ce qu'il a essayé de faire. Oh, ça peut se reconstruire aussi. Ça peut se reconstruire aussi. Tac, slash plot reset. Là aussi, donc on va reset des plots qui sont carrément vides. Et j'ai prévu pour vous pendant cette vidéo quelques petits plots qui seraient sympas à détruire. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Donc voilà. Je regarde souvent dans les trous parce que souvent il y a des gens qui font des trucs souterrains. Bon, pas là, ok. Souvent il y a des gens qui font des trucs souterrains. Donc je vérifie tout le temps. Par contre, j'ai du mal à différencier les dalles. Je vais faire tac. Hop. Attendez, hop, je vais juste reset quelques plots et après je vais aller en speed 2, slash speed 4, c'est bien. Regardez, hop, vous allez plutôt vite comme ça. Voilà, ça c'est magnifique, comme ça vous supprimez plein de plots. Alors là, je vais pas supprimer, là je vais supprimer, ouais, tout ça, ça je supprime, ok. Vous voyez, il y a plein de gens qui prennent des plots et, enfin, des plots pour moi c'est des parcelles, hein, et ils les utilisent pas, donc ça c'est un peu dommage aussi. Alors hop, là aussi je suppose, tac, voilà. Oh, il y a des constructions qui sont vraiment cool. C'est bien parce que comme ça je visite des constructions. Ah bah voilà, ça c'est le genre de construction que je casse par exemple, que j'allais vous prévoir, mais c'est assez différent. Mais voilà, ça, le genre de mec qui prennent des parcelles pour faire ça, bah les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît, grandissez un peu quoi. Regardez, il y en a, ils ont fait des IK, franchement les gars, venez sur mon serveur build des trucs comme ça. Vous aurez en plus des chances pour passer en vidéo, etc. Si vous faites du bon taf. Ça on va lui laisser, il a l'air d'avoir bien commencé, lui il a fait des beaux tracés aussi. Il va peut-être faire un truc cool lui aussi. Donc ça c'est des débuts de construction. On va laisser
Ok, ça, les gars, on peut supprimer ça. On peut supprimer, en plus il y a un petit peu de redstone, donc j'aime pas trop ça. Même si c'est un film, bah ça reste, si tout le monde fait des petits systèmes redstone, si chacun fait des petits systèmes redstone, c'est pas très cool quoi. Hop, voilà, sinon ça ferait laguer le serve. Hop, donc on reset ça, ça j'ai reset, non, j'ai pas reset. Donc finalement j'allais dire au début de la vidéo, bah je vais pas reset sans plot parce que comme c'est la nouvelle version du serveur et que les plots sont 4 fois plus grands qu'avant, bah j'aurais rien à reset, enfin j'aurais pas 100 plots à reset. Et finalement je pense que j'en aurais 100, hein, franchement largement, qu'est-ce que c'est que ça? Oh purée, c'est les blocs de concrete noir qui me font peur à chaque fois et on dirait que j'ai des bugs de texture les gars. Wow, le plot énorme, c'est à qui ça? C'est à Raf du 75, d'accord, c'est un mec qui a acheté un grade. Donc n'hésitez pas à acheter un grade, vous pouvez, après vous pourrez relier des plots comme ça et faire des plots gigantesques. Alors tout dépend de votre grade, plus vous achetez, oula, c'est quoi ça? Plus vous achetez de, hop, slash plot reset, plus vous achetez un grade haut, plus vous pouvez relier des plots. Par exemple, le swagouin, donc là il n'y a pas de swagouin, il n'y a pas de grade payant, tous les pingouins blancs c'est des grades gratuits. Mais si vous êtes swagouin, et bah vous avez 10 plots, c'est-à-dire vous pouvez relier celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est comme si vous pouvez relier tout cela en fait. Voilà, c'est plutôt cool en vrai, c'est vraiment cool. Vous pouvez faire des constructions géantes. Là, franchement, pour remplir un plot de cette taille, je vous souhaite bonne chance. Alors hop, on va reset celui-là, reset celui-là. On va quand même passer au... Attendez, on va quand même passer au plot, que j'ai préparé pour la vidéo. Donc c'est slash plot home, hop, moins 17 et 13. Je crois qu'il y a un bon plot à supprimer vers là. Enfin, des bons plots, hein, voilà. C'est vraiment le genre de plot comme ça que j'ai envie de supprimer. Celui-là, on le supprime ou pas? Je sais pas, ça je sais pas si on le supprime. Je sais pas s'il a fait des plans ou j'en sais rien, donc on va laisser. En tout cas, ça c'est sûr. Ça, je vois souvent ça sur Funcraft. Et vous savez pourquoi je vois ça sur Funcraft? Et on en voit souvent dans les plots de Funcraft. C'est parce que sur Funcraft, dans le créatif, les gens qui font du IK Brain s'entraînent sur le build de Funcraft. Et ça, c'est vraiment ingénieux. J'y avais pas du tout pensé. Et les mecs qui font des IK Brain, et bah ils s'entraînent sur le Funcraft à faire des. À build comme ça, à faire des towers et tout. Enfin, à faire des ponts, et ça c'est vraiment intéressant. Je sais pas s'il a essayé de faire ça, j'ai l'impression, mais bon, en tout cas on va supprimer. Je pense que même lui ça va lui arranger un peu la tâche parce que il aura la flemme de tout casser. Donc voilà, ça c'était le premier plot. On va passer au 17 maintenant. 17, il y a un bon plot à casser aussi. 17, tac, 17, comme ça, voilà. 17, il y a un plot assez similaire à casser. Bon, voilà, c'est un plot comme ça. On va reset le plot. On va voir un peu autour pour voir s'il n'y en a pas à casser aussi. Tant qu'à faire, hop, on reset cela, cela. Là, il y a des plans. Oh, des ballons. Oh, stylé ça. Voilà, donc on reset tout, on reset tout. Qu'est-ce que c'est que ça là? On dirait un petit peu, on dirait un début de World Edit, enfin de Schematica, c'est assez étrange. Non, il a fait des plans, on va pas lui supprimer, ça se trouve. Enfin voilà, il y en a, ils ont plus de difficultés à build que d'autres, donc on va quand même laisser ça. Hop, plot reset. Donc voilà, je vais essayer d'être le plus gentil possible et de reset que des plots qui sont vides. Tac. Donc on en a à combien là d'ailleurs? On en est à. Plus Lit World, on est à 3386. On était à 420. Ouais, finalement, on en a pas. Bon, il nous en reste pas mal encore. Il nous en reste une soixantaine. Hein. Je vais charbonner. Je pense que je vais faire ça hors vidéo après. Et je vais vous retrouver pour la fin. Mais pour l'instant, on va quand même finir les plots qui sont ici. Regardez, hop, il y en a plein à faire. 1, 2, 3. Celui-là, allez, il a commencé à construire. On va pas faire. Là, on va. Non, ok, non. Pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, celui-là on peut supprimer, celui-là aussi, tac, oh stylé, swagouin tout ça, swagouin tout ça. Est-ce que ça vous plairait que je fasse une vidéo où je visite pendant 10 minutes le serveur, comme si j'étais en mode chill, je vais dans les jeux, dans les différents jeux, je vais aider les gens sur le créa, je vais me balader, etc. Il y a des gens qui m'ont déjà dit que ça leur plairait bien que je fasse ça. Dites-moi si ça vous plairait. Genre en fait voilà, je me connecte au créatif, je me balade pendant 10 minutes, je parle avec les joueurs, j'aide les joueurs, enfin un peu tout en fait, un peu de tout. Et quand je suis sur, enfin c'est pas souvent parce qu'en ce moment j'ai cours, j'ai les bacs blancs tout ça, mais des fois je fais ça. Ah stylé ça, il y a un bon plot à reset ici, regardez ça. Il y a un bon plot à reset. Alors lui on va le temp ban, vous voyez. Lui on va le temp ban pour qu'on... Alors c'est slash temp ban the silver
Wolf. Donc il sera ban que du créatif, enfin il sera temps ban que du créatif, il pourra aller dans les autres jeux. Mais on va mettre 7 days pour construction obscène. Voilà. Le joueur est introuvable. Comment ça? The Silver Wolf. Bah non, pourquoi ça marche pas? The Silver Wolf. Bon, j'ai dû faire une faute, j'en sais rien du tout. Ou à moins qu'il a fait ça. J'en sais rien, bon. Bon, écoutez, il a de la chance, il sera pas tant ban. Il sera pas tant ban, le mec. Alors, slash plot reset, c'est parti. Hop, voilà. En tout cas, voilà, on a supprimé son plot. Voilà, c'est le genre de truc que je supprime en général, parce que les constructions obscènes, c'est pas autorisé sur le serveur. Voilà, hop. On va faire ça, on va faire ça. Ça, on supprime aussi. Ça, on supprime aussi. Tac, ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? On va supprimer tout de suite. Voilà, ça aussi, non, ça aussi je pense. Ok, là on a déjà supprimé. On va passer au plot moins 27. Alors c'est quoi? C'est moins 27, moins 20 qui a l'air d'être intéressant à supprimer. Moins 27, moins 20, voilà. Oui, ok, c'est à peu près la même chose. J'ai l'impression que le mec s'entraîne à faire des towers, je sais pas quoi, oxyble, d'accord, je sais pas ce que c'est. Donc on reset celui-là, tac, on va en reset un autre, c'est le 12-19, slash plot home, home 12, 19, voilà, comme ça, et, ah, il a été reset, d'accord, il a été reset, et bah écoutez, j'ai dû peut-être le reset sans faire exprès tout à l'heure, ou en passant, j'en sais rien du tout. On va en supprimer encore 2-3, là il est à reset, tac, là il est à reset aussi finalement. Là aussi, tac, je reset tout. Enfin, reset, c'est supprimé. Hein. Non, lui, il a l'air de faire un parcours assez cool, donc on va rien faire. Là non plus. Là aussi. Là, il y a des belles constructions. On est où, là? On est dans les premiers plots ou quoi? On est dans les 18... Non, on n'est pas dans les premiers plots, mais les gars sont chauds. Des fois, il y a des zones où vraiment il n'y a rien de construit. Et des fois il y a des zones où il y a des trucs mais magnifiques de construit. Alors ça, je m'affole pas là-dessus, c'est les constructions qu'on a pris avant la création du serveur. C'est pour faire des tests et tout. Du coup, reset, ça aussi reset, reset aussi. Hop, voilà, celui-là aussi. Hop, regardez, oh purée, le combo, les gars, le combo, tout ce qu'on supprime. Oh là là, oh, stylé le... Alors ça, c'est grave stylé, je prends un petit screen. Ah, oh, j'aime bien la ville, là, c'est vraiment stylé. Hop, slash plot reset. Là, on peut reset aussi, il a juste fait ça, ok. Là aussi, hop, et je pense qu'on va bientôt s'arrêter. Hop, et là, ok, tac, on va faire plus lead sword, ben, on était à 3420 et là on est à 3355. Alors, ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais finir de reset des plots comme ça en off, et on se retrouve une fois que j'aurai supprimé les 100 plots. A tout de suite. Et les amis, il me semble que c'est le dernier plot que j'ai à supprimer. On fait slash plot reset et on arrive à 3321, non, il y a quelqu'un qui a créé un plot entre temps, non. Vite, il faut supprimer un dernier plot. Et voilà, on reset ce plot là et c'est terminé les amis. On a supprimé 100 constructions. Ah bah ok, d'accord, ça, on a supprimé 2. Bon bref, on a supprimé 101 constructions durant cette vidéo les amis, enfin 101 constructions. Vous m'avez compris, on a supprimé 100 plots qui étaient pratiquement vides, comme ça, ça fait plus de place pour les nouveaux joueurs qui pourront build des meilleures choses à côté de d'autres constructions, etc, etc. Bref, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter votre avis dans les commentaires, un petit commentaire positif ou négatif du moment qu'il est constructif. Pensez à liker, comme j'ai dit au début de la vidéo, une vue est égale à un like, ce serait génial si on pouvait dépasser les 1000 likes pour cette vidéo les amis. Pensez à partager, c'est le plus important, et bien sûr pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis, c'était Oxymos pour Charis. Allez, ciao. Just